J'arrive au deuxième endroit et je vais essayer de régler le problème du R9 qui reste ici complètement minable. Ah, je soupçonne un peu quand même que j'ai peut-être placé son antenne à la deuxième antenne trop près. J'ai l'impression qu'il se brûle lui-même ce débile. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais faire sauter la deuxième antenne et je vais voler qu'avec une seule antenne, que celle qui est verticale, et on va voir si ça marche mieux ou pas. Alors celui-là d'avion, au final, je ne le lance pas avec le décollage automatique d'Inav. Je l'arme, je mets 80% de gaz à peu près. Comme je suis modin, et ben avec ma main gauche, je mets le pouce comme ça, puis je le garde un peu cabré.